Steve m'a dit, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu travailles sur le Mac maintenant. J'ai dit, génial. Donne-moi juste la journée pour terminer ce projet sur l'Apple II. Il a répondu, quoi? Quel projet? Qu'est-ce qui peut être plus important que le Mac? Je lui ai expliqué mon projet et Steve a dit, mais c'est nul! Ce projet-là va nulle part! Tu commences à travailler sur le Macintosh tout de suite! Et puis il a carrément débranché mon ordinateur et j'ai donc perdu tout le travail que j'avais fait dans la journée. Et il ne s'est pas arrêté là, il est parti avec mon Apple II sous le bras. Il poussait ses équipes jusqu'au bout. Il a même fait faire des t-shirts pour les gens qui travaillaient sur le Mac avec écrit dessus 90 heures de travail par semaine, et j'adore ça. 90 heures de travail par semaine. Après 3 ans à ce rythme intensif, le Macintosh est enfin prêt. Date de sortie prévue, janvier 1984. Steve Jobs va se servir de cette date comme d'un symbole dans son combat contre IBM. Car 1984, c'est aussi le titre d'un roman de George Orwell. Une œuvre d'anticipation qui dénonce une société totalitaire dominée par un dictateur appelé Big Brother. Pour le lancement du Macintosh, il veut s'en inspirer. Alors il fait appel à l'un des plus grands réalisateurs, Ridley Scott, pour tourner une pub au message très explicite. On y voit des hordes d'hommes tout gris qui marchent le regard complètement hagard en direction d'un auditorium pour écouter le discours de Big Brother. En fait, dans la vision du monde d'Apple, Big Brother, c'est IBM. Et Apple tient le rôle du sauveur. Les esclaves du spot représentent alors tous les employés condamnés à utiliser dans leur entreprise des ordinateurs IBM. La jeune sprinteuse rebelle à l'autorité du dictateur représente évidemment le Macintosh. Apple vient libérer le monde de ces gros ordinateurs, de toutes ces machines et ces systèmes informatiques qui envahissent les entreprises, de toutes ces choses si ennuyeuses. Le 24 janvier, Apple va lancer le Macintosh. Vous verrez pourquoi 1984 ne ressemblera pas à 1984. Si le Macintosh n'apparaît pas dans cette pub, c'est parce que Steve Jobs veut se réserver ce privilège, présenter lui-même son œuvre au monde entier. Andy Hertzfeld se rappelle de ce fameux 24 janvier 1984, jour de la présentation du Macintosh. J'espère que l'on peut voir sur ces images le monde qu'il y avait. Les gens étaient fous de joie. Ce jour-là, Steve Jobs, devant une salle comble, organise son propre sacre. Vous venez de voir des images du Macintosh. Maintenant, j'aimerais que vous le voyiez en personne. Dans un énorme show à l'américaine, tout à sa gloire et à celle de sa créature, il veut faire la démonstration de son avancée technologique qui lui permet d'enfin humaniser les rapports avec l'ordinateur. Ce qui frappe l'assistant, c'est de découvrir sur l'écran géant les progrès de l'animation et du graphisme. Pour la première fois, un ordinateur permet même de dessiner. Pour l'illustrer, un portrait de lui-même et encore plus mégalo, écoutez bien ce qu'il fait dire à sa machine. C'est avec beaucoup de fierté que je vous présente quelqu'un qui est comme un père pour moi, Steve Jobs. Steve Jobs a du mal à cacher son émotion, persuadé que son bébé va lui permettre de surpasser IBM et de devenir le maître du monde. Vous avez vu là ? Il est en train de pleurer. À 29 ans, il est alors au zénith. Et pourtant, sa chute est imminente. Elle sera terrible. À ce moment-là, il ne se doute même pas qu'il va tomber. Il faut dire que tous les signaux sont au vert. La presse unanime présente alors sa créature comme une révolution. Et du côté des ventes, pas plus de raison de douter. On s'arrache le Macintosh malgré un prix de vente très élevé, 2 500 $, le double des appareils concurrents d'IBM. Le Macintosh a été un énorme succès dès sa sortie. Il a vraiment attiré tous les gens qui trouvaient que l'ordinateur, c'était trop compliqué. Un produit qu'Apple destinait aux non-initiés. Ce qui le distingue donc de tous ses concurrents, c'est sa très grande facilité d'utilisation. Même un enfant peut le faire fonctionner, grâce à quelques trouvailles révolutionnaires.
comme son fameux petit appendice, relié par un fil, la souris. Jusqu'ici, ça n'existait pas. Idem pour les icônes, les menus ou les fenêtres. Ils font leur première apparition sur un écran d'ordinateur. Tout cela est possible grâce au cerveau du Macintosh, ce qu'on appelle son système d'exploitation. Et de la vie générale, il a alors 10 ans d'avance sur son concurrent IBM. Voilà pourquoi Steve Jobs est alors persuadé d'avoir gagné son pari, d'être enfin arrivé au sommet, seul, sans rival. Et pourtant, il y a un hic. Aveuglé par sa rivalité avec le géant IBM, il n'a pas vu qu'un réel danger le menace. Il s'appelle Bill Gates. Un jeune crack de l'informatique. Il a le même âge que Steve Jobs, 29 ans, et comme lui, il a créé très jeune sa propre entreprise informatique, Microsoft. Mais à la différence du fondateur d'Apple, il ne dirige alors qu'une petite PME. Microsoft n'était pas encore la grosse multinationale qu'elle est aujourd'hui. À l'époque, Microsoft était même beaucoup plus petit qu'Apple. Microsoft, contrairement à Apple, ne fabrique pas d'ordinateurs, mais seulement des programmes, comme les systèmes d'exploitation, les fameux cerveaux des machines. Bill Gates est à l'époque vraiment impressionné par celui qui équipe le Macintosh. Il n'hésite pas, publiquement, à en faire l'apologie. Pour devenir une référence incontestée, il faut un ordinateur qui ne soit pas seulement novateur, mais un ordinateur qui fasse rêver. Et de tous les ordinateurs que j'ai vus, il n'y a que le Macintosh qui ait atteint ce niveau. Personne ne se doute alors que Bill Gates a un projet derrière la tête. Percer le secret du Macintosh. Car il fabriquait sous sa propre marque un système aussi évolué, avec l'idée de le vendre aux concurrents d'Apple. Alors comment va-t-il s'y prendre? Depuis quelque temps, Bill Gates travaille régulièrement pour Apple en lui fournissant des logiciels. À l'époque, les ingénieurs du groupe ne se méfient pas de ce petit fournisseur. Celui-ci va en profiter pour discrètement s'informer sur les secrets du Macintosh. Je me souviens la première fois que nous avons montré le Macintosh à Bill Gates. Eh bien, c'est comme si on lui montrait son propre avenir. Ils vont mettre du temps à réaliser. Pourtant, Bill Gates se montre de plus en plus curieux. Tout ce qui concerne le Macintosh l'intéresse, notamment la souris, son fonctionnement l'intrigue. Alors il pose beaucoup de questions, trop de questions. Un jour, Steve Jobs surprend Bill Gates en plein interrogatoire. J'étais sur le point de lui expliquer comment marchait la souris, et Steve a pressenti ce que j'allais dire. Et donc, il a hurlé « Ferme-la !» très fort. Et apparemment, il n'a pas dû voir que j'avais compris, et donc il l'a redit « Ferme-la !» encore plus fort. Et tout le monde l'a regardé, du genre « Message reçu ?» Steve Jobs a raison de s'inquiéter, mais c'est déjà trop tard, le mal est fait. Quelques mois plus tard, coup de tonnerre, les ordinateurs PC ont miraculeusement rattrapé une bonne partie de leur retard. Ils ont adopté menu déroulant et souris, tout cela grâce à un nouveau programme signé Microsoft. Bill Gates vient de sortir son propre système, Windows, directement inspiré du cerveau du Macintosh. Quand Jobs s'en est rendu compte, j'étais dans le bureau avec lui. Et il a dit, je veux voir Bill Gates dans mon bureau avant le coucher du soleil. Parce qu'il voulait lui hurler dessus. Et quand Gates est arrivé face à lui dans son bureau, Jobs a hurlé, tu as copié le Mac, tu nous as trahis. Comment peut-on continuer de travailler avec toi? Comment peut-on te faire confiance à nouveau? Et Steve, c'est pas facile de se battre avec lui. Il peut être très intimidant, voire agressif. Mais je me souviens que j'étais vraiment impressionné par la réaction de Gates. Il s'est pas laissé démonter, hein. Il se justifiait comme ça à peine. Bill Gates, c'est alors qu'il a réussi son coup. La plupart des constructeurs d'ordinateurs adoptent aussitôt son système Windows, inspiré du Macintosh. Pour Apple, c'est la catastrophe. Submergé par cette concurrence inattendue, beaucoup moins chère, les ventes du Macintosh s'effondrent littéralement en quelques semaines. Soudain, pour la première fois de son histoire, Apple était très inquiet pour son avenir, car plus personne n'achetait de Macintosh.